au 30 juin, 5 millions de personnes n'auront plus accès aux tarifs réglementés du gaz, les particuliers en pleine crise du gaz, est-ce que nous allons laisser faire cette chose ou pas. On est d'accord que les tarifs réglementés. Ça a existé pendant 50 ans. Pour tout le monde. Résidentiel, entreprise, collectivité, tout le monde y avait accès, ça marchait plutôt bien. Hein. J'ai jamais vu personne s'en plaindre à l'époque. Premièrement. Deuxième chose, monsieur le rapporteur, j'ai déjà répondu, nous dit c'est les règles européennes. Oui, mais tout le monde y déroge. Tout le monde demande des dérogations. Pourquoi nous ne demandons pas une dérogation pour protéger nos collectivités, nos petites entreprises en leur permettant le tarif réglementé, pas en leur imposant. S'il y a des collectivités, des entreprises qui souhaitent rester dans des contrats à marché libre, tant mieux pour elles. Mais celles qui voient leurs factures exploser, on est tous élus de départements, vous citez les commerçants, les boulangers, des collectivités, et on n'est qu'au début de la crise. Hein. Ça va encore durer 2 ans et demi. Hein. Les factures vont continuer à pleuvoir. Troisième problème, monsieur le ministre, et où il va falloir que, quand même, à un moment donné, quelqu'un parle. Au 30 juin, 5 millions de personnes n'auront plus accès aux tarifs réglementés du gaz, les particuliers, en pleine crise du gaz. Est-ce que nous allons laisser faire cette chose ou pas? Est-ce que nous allons quand même prendre une initiative, ou parlementaire ou gouvernementale, pour les prolonger en pleine crise? Ou est-ce qu'on va toutes et tous les laisser s'enfoncer sur le prix du marché? Il faudra répondre. Et puis, dernière chose, monsieur le ministre, vous dites que ça coûte cher, certes. Quand on a proposé le retour aux tarifs réglementés pour toutes les collectivités, au départ, on nous a dit 60 milliards. Puis quand il y a une étude, 3 milliards et demi. 3 milliards et demi. Et vous l'avez dit, combien en bouclier tarifaires, sécurité, filets de sécurité, arènes supplémentaires, rien que l'an dernier, avec les trous de la raquette, 50 à 80 milliards. Donc 3 milliards et demi pour le retour aux tarifs réglementés et 50 à 80 milliards que vous avez jetés à la poubelle et donné aux acteurs alternatifs. Voilà la réalité.